à tous et à toutes, c'est Hashim. Aujourd'hui, vous devez vous demander pourquoi est-ce que je suis devant l'écran d'accueil de Pokémon Colosseum. Eh bien, c'est simple. En fait, c'était une... C'était un projet que je voulais faire depuis longtemps, mais à l'époque, émulateur Dolphin, bah, il marchait pas. Enfin, c'est pas qu'il marchait pas, c'est qu'il y avait un bug de son, et puis c'est qui fait que ça grésillait énormément. Et c'est assez dérangeant, malgré le fait que l'émulateur marche. Et puis, bah maintenant, le problème est plus ou moins réglé. Alors, des fois, j'ai remarqué qu'il y a encore un peu quelques petits problèmes, mais c'est beaucoup mieux. Donc, le projet que je voulais lancer, donc il y en avait plusieurs, puis il y avait celui-là notamment, c'était de faire le plus souvent, enfin le plus souvent possible, tous les 3-4 jours à peu près, un petit combat rapide comme ça. C'est-à-dire un combat histoire de, donc, de proposer du contenu un peu en 3-4 minutes. Voilà, donc pour ce premier combat, donc je pense qu'on va faire un combat double en niveau, enfin un niveau là, c'est le niveau des Pokémon, c'est-à-dire faible, ce sera plus des Pokémon de base, tandis que fort, il y aura des légendaires, ainsi de suite. Donc là, on va tenter cette équipe, tiens, on prend cette... ils choisissent 6 Pokémon au hasard, donc. Donc là, vous voyez, il y a un petit bug au niveau du son. Parce que d'arriver souvent, je peux pas faire mieux, mais ça arrive. Ah bah quand même équipe là, je suis vachement avantagé quand même hein. Bon, donc c'est un combat double et puis bah avant il faut que je regarde quand même comment on fait pour regarder les Pokémon. Ah voilà, donc ça a l'air d'être ça, d'accord. Ça c'est... D'accord, ça j'ai compris. C'est où X et Y? C'est où? Ah X. Merde, je vois comment Entei. J'ai déjà vu Entei, non? Ah voilà. X, Y, j'ai compris. Ouais, faudra que je refasse ces configs moi-même. Mais là, c'est plus un test, en fait. Pour tester justement au niveau du cadrage, parce que si ça se trouve, ce sera pas bien. Faudra que je recadre, enfin bref. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a de sympa. Déflagration, abri, ensoleil, zénith, ouais, bon. Séisme, casse-brique, aéropique, frustration. Ouais, sûr. Ah, Sukune a l'air pas mal. Non, toi, bof, non. Toi, pas terrible. Ah, lui, il est pas mal, lui. Prendre Raikou, tiens. Raikou avec... avec qui est-ce que je peux prendre Raikou? Non, même pas, je vais même pas faire comme ça. Vide avec Dratak et Donphan, tiens. Si je trouve. Voilà. Dratak, Donphan. Où est Donphan? Ah, faudra que je m'habitue, hein. Donphan. On va prendre qui d'autre? Raikou, donc. Et Suicune. Histoire de faire des combos sympas, genre séisme, alors qu'il y a des volants, enfin bref, des trucs sympas comme ça. C'est parti, donc, premier combat... Random combat live, donc. Logiquement c'est simple, je suis censé gagner mais c'est juste pour voir les animations un peu, ça peut être sympa. Dire que j'ai préféré Colosseum, enfin je sais pas, c'est un peu mon jeu. Il y a XD aussi, Pokémon XD qui est bien, mais je préfère Colosseum, c'est-à-dire. Il n'y a pas tant de changements par rapport à Pokémon XD et puis bon. Je préfère Colosseum, voilà. Si vous voulez absolument XD, bah je peux télécharger, mais bon, voilà. Donc là il me dérange parce qu'il me fout que des volants. Ça m'embête un peu. Donc là j'ai Dratak et Donphan. Là j'ai Intimidation, vous allez voir du combat en 3D, c'est assez... Pour l'époque c'était vraiment impressionnant, c'était pas mal. On peut aussi ramener des Pokémon de sa cartouche, enfin c'était vraiment présent. Là bah... je pense que je vais débarrasser d'abord Ninjask. Ah pouvoir antique, ah pas mal. Bon, on va taper même. Non je sais comment je vais faire. Ouais, ça se trouve, il y en a qui vont abri. Abîme toxique. Aïe, active cran. Oh, le chieur. Ils font des trucs comme ça en double, c'est sympa. Aïe, active cran pour me faire chier. Même si j'ai eu... Heureusement que j'ai intimidation, parce que là, je vais manger. Je vais vraiment manger beaucoup, là. Ouf. Ouh, c'est sévère, quand même. J'aurais dû me débarrasser de l'aide au début, bon. Voilà, lui, il dégage. Ninjask et KO. Enfin là, pour rappel, on est en génération Advance. Donc la nomenclature des attaques est différente.
C'est-à-dire qu'en gros, ça t'accroche quand même comme pouvoir antique, ça tape tout en physique, et ainsi de suite. Ah là, faut que je me débarrasse de Ed. Ah, il va me mettre KO de Rattack, j'aime pas ça. Il va me mettre KO de Rattack, dommage. Moi je reste. Non, quoique, il peut. Non, même pas, je sais comment je vais faire. Merde, comment on fait B déjà? Merde. Ah voilà. Ça. Je switch, je vais mettre. Suicune, il va tenir, je pense qu'il va bien tenir. Parce que Drattak, quand même, c'est une puissance offensive, c'est pas mal. Est-ce que Donphan, je vais taper. Pouvoir antique sur Aiden. Voilà, je vais faire comme ça. Je crois qu'il devrait pas vraiment résister. Donc là, j'envoie Suicune. Donc là, il va face ça de Suicune, je pense. Il devrait tenir, bien. Ouais, je tiens. Enfin, ça, il tient. Ça passe, quoi. Ah, merci, il fait méga corne après, ça fait pas. Aïe, 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 il fait mal. Eh, donc, France compte sur toi. Pouvoir antique. Ah, super, il est KO avec le poison. Ah, cool. Voilà, je me suis débarrassé d'un mec qui me faisait chier. Fenard. Et il n'a pas dans ce soleil, il n'a pas sécheresse. Hein. Comment est-ce que je vais faire? Ah bah j'ai cascade, tiens, moi, ouais, cascade. Si on peut attaquer entre temps. Ah bah non, bah bon, je m'en fous, pire. Je sais que je vais faire abri, séisme, moi. On va faire comme ça. Je sens que ça me permettra de tenir bien. Oh non, il va me burn d'enfant. Il va me burn d'enfant. Ah non, même pas. Oh non, putain, encore en cranteur. Oh, le relou. La façade. Ah, j'ai bien fait. Parce que là, j'ai genre séisme. Et ça va faire très mal à Fenard. Je m'en fous, je vise Fenard, de toute façon. Ouais, d'enfant en KO. Fenard, pardon. Là, je vais pas spam parce que ça sert à rien. Ah bah il reste plus que hein. Bon bah on attaque. Ouais, ça sent la fin. Ça sent la fin pour lui. Bon, si tu veux. Ouais, j'ai bien géré quand même au final, même si j'étais dans un moment assez critique. Puis bah autant envoyer Drattak et... En avant, Drattak. Donc les combats duo en 3D c'est vraiment sympa, hein, vous remarquez. Séisme. Oh yes, carré notre KO. Et on a gagné, 3-0. Je me suis bien débrouillé. On a battu Artist Meina. Oups, j'ai perdu, j'espère que ça vous a plu. Ouais, ils ont des petits trucs comme ça, c'est sympa. Alors voilà, le classique jauge qui descend. Et donc Eric, parce que j'ai pas mis de pseudo. Je fais pas aventure pour le moment. Eric gagne, youpi. On va arrêter le combat, je pense. Je pense qu'un seul c'est déjà pas mal. Oh ok, je peux en faire deux. Non, je vais en faire qu'un seul pour celui-là, histoire que vous voyez si c'est bien, et puis voilà. Peut-être que j'en ferai deux. Enfin là je voulais se décider en fait. Comment est-ce que, enfin si vous me suivez, hein, comment est-ce que vous voudriez que ce soit le prochain combat, combat simple, combat double, fort et faible, enfin, etc. Et puis, bah, au niveau, vous me dites s'il y a des problèmes au niveau du cadrage, enfin, du son, des trucs comme ça. Et puis, bah, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, à nouveau, enfin, un truc, j'essaie de mettre tous les 2-3 jours, éventuellement, un petit combat sympa comme ça. Sachant qu'à un moment, ça sera plutôt positif. Et puis ouais, c'était pour un test, pour tester Dolphin, justement, en émulateur GameCube. Puisque ça se trouve, les prochains Let's Play, vu que j'avance bien au niveau des Let's Play, j'ai presque fini, enfin presque. J'ai fait un bon 3/4 de rouge-feu, quoi. Et puis, bah, voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis, bah, à un prochain combat. Salut!